tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte de Gris, du coup. C'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur, que j'adore. C'est mon jeu préféré d'ailleurs. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite découverte. Donc, du coup, c'est parti. Du coup, on va faire une nouvelle partie. Oui. C'est toujours aussi beau, hein. Vraiment. Je me lasse pas. Qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas de dialogue dans le jeu, il n'y en a jamais vraiment, c'est un jeu qu'on savoure et qu'on contemple. Oh, petite étoile. Je peux pas passer par là. Une deuxième petite étoile. Ah. Et donc là, on voit que les points se relient et qu'il nous en manque un troisième. Donc il nous manque une troisième petite étoile.
Parfois, le jeu devient vraiment tout petit. Du coup, là, on a un pont. On va pouvoir traverser et aller chercher l'autre étoile. Et là, on peut passer du coup. On s'envole. Ouh, ça vibre. Putain, c'est beau. Ce jeu est magnifique. Pour la petite anecdote d'ailleurs, le jeu, on me l'avait d'abord offert sur Steam. C'est ma compagne qui me l'a offert. Parce qu'on avait regardé une découverte du jeu et pendant toute la découverte, j'ai pas arrêté de dire oh là là, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et quelques minutes plus tard, après la fameuse vidéo découverte, je reçois un mail de la part de Steam et je vois qu'elle m'avait offert le jeu en cadeau en fait. Et c'est tellement un gros coup de cœur que quand ils ont annoncé l'édition collector, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter quoi. Du coup, oui, j'ai la belle édition collector de gris avec le artbook qui est protégé, des espèces de petites cartes postales du jeu, des petits fine art. Je sais plus du tout par où je dois passer, hein. Du coup, je redécouvre avec vous. Ok, donc par là, il n'y a rien. Peut-être qu'il faut que j'aille tout en bas. Ouais. Musique faite par Berliniste ou The Berliniste, quelque chose comme ça, que je vous invite à aller chercher sur YouTube si vous avez aimé les musiques du jeu. C'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment le seul jeu à mon sens pour l'instant qui a réussi à me coller autant de frissons et donner envie de pleurer tellement c'était beau, quoi.
tout me colle des frissons et tout me donne les larmes aux yeux dans le jeu. Décor un peu pyramidal avec cette fameuse teinte rouge qu'on a débloquée tout à l'heure. J'aime beaucoup la forme des arbres. Je sais pas. Les petites éoliennes. Et donc ça, je me souviens. C'est une zone où il y a un vent très très fort et où du coup il faut vite se réfugier dans des trous, dans des bâtiments pour s'en protéger. Hop. Les petites créatures cailloux un peu chelou avec des petites papattes. J'ai été trop long là, je sens. Je vais me faire souffler. Ouais. Ah non, j'ai réussi. Je glisse, je glisse, je glisse. Hop. Je me fais moins avoir, cela dit, vu que maintenant le jeu je le connais. Quelque chose, j'ai l'impression. Ah, elle est là, la loupiote. Tac. Va falloir retourner de l'autre côté. Hop, voilà. J'avais oublié à quel point la manette vibrait fort dans ces moments-là. Tac, ok. C'est vraiment très très joli. J'avais oublié ça. L'espèce d'île en forme de noix qui se déplace toute seule. Ok. Là, tac. Je vais attendre que le vent y passe. Hein.
je vais me mettre là. Pas trop loin non plus. La réponse est non, on ne peut pas accéder tout de suite à la petite loupiote parce que on peut pas casser le caillou. Mais on va bientôt pouvoir. Voilà. Donc là, on a débloqué notre premier pouvoir, à savoir que on peut, tac, on peut se transformer en cube quand on veut, ce qui fait que le vent ne peut plus nous emporter parce qu'on est trop lourd. Donc là, vous allez vite voir ce que ça donne. Donc là, tac, voilà. On a récupéré la loupiote et on va pouvoir repartir à droite, Pépouze. Tac. Et je peux même avancer en étant un cube. Hop. J'avance plus lentement, mais j'avance. Elles sont super belles les statues. Très très belles. Même si elles sont vachement tristes quand même. On peut faire sonner les carillons, j'avais oublié. Hop. Ça sert pas à grand chose, mais ça me fait marrer. Je veux juste partir tout à gauche pour être sûr de rien louper avant de casser le truc. Allez, on repart dans l'autre sens. Sois gentil. Ok. Oui, ouais, je me disais bien qu'il y avait quelque chose là-haut. Ok. Je suis un cube, ok? Je suis pas un cubeur, ça n'aurait aucun sens. Mais je suis un cube. Ok. Alors, tac. Merde. Why? Je crois qu'il y avait un truc à faire. Non, même pas. Bizarre. J'étais persuadé qu'il y avait un système de balancier. Ah, mais oui, mais non, je suis bête. Ah là. C'est ça. Faut se laisser entraîner par le vent, en fait. J'avais oublié. Ok. Bon, du coup, on peut repartir à gauche.
Hop, attends-moi. Tac. Ok. Alors. Kaboom. 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 J'ai cassé beaucoup de choses là quand même. Alors là, oui, on change complètement de décor. Ah, il y a mon reflet. Alors, je ne sais plus du tout ce que je dois faire par ici. Donc, je regarde. Ah, visiblement rien déjà. Je peux péter les pots. Je vais tout casser alors. Je vais tout casser. Kaboum. Non. Ah. Ok. Je suis persuadé qu'il y avait autre chose à faire là-dessous, mais tant pis. Ok, d'accord. Toboggan, oui. Tac. Ok. Ça c'est très joli ça. Ma chance se déplie en rythme avec moi qui passe. Ah mais. Saute. Oh, t'es peut-être créateur avec tes papates. Elles sont mignonnes. Bon, si j'arrêtais de péter les cairns, moi. Hop là. Ok. Bon, du coup. Et en fait, si je pète les cairns, c'est parce que c'est un des succès cachés du jeu. Alors, par où que je passe, moi? Visiblement par là, vu que j'ai pas de troisième loupiote. Du coup. Que voilà, tac, c'était bien ça, oui. Par là, du coup, hop, troisième pioche. On va quand même aller voir ce qu'il y a là-haut, du coup, hop. Thank you.
Hop là. Ah, mince. Pas ça que je voulais faire. Je vais y arriver. Ou pas. Ah, moi et les sceaux, c'est pas une grande histoire d'amour. Clairement. Mais on va y arriver. Toujours pas. J'essaie d'aller trop vite là, je crois. Et oui, les sauts, c'est une galère dans les jeux vidéo pour moi parce que les dyspraxiques ont énormément de mal à évaluer les distances. Du coup, ça explique que je sois très nul pour faire des sauts dans les jeux. Parce que je n'arrive pas à évaluer généralement les distances entre mon perso et les plateformes. C'est totalement relou, hein, mais voilà. À tous les coups, j'ai loupé un cairn de toute façon, mais bref. Donc à gauche de toute façon. Par là. Par là. Par là et on le casse et ça crée des plateformes. Ok. Ah, il y a un cairn là aussi. Ok. Par là, un cairn ici. Ok, donc là on a droit à un autre mécanisme. Que je me souvienne du bordel, lui. Voilà, tac, entre les deux. Et ça débloque les mécanismes. Ok. Pas passer par là, ok. Donc on va imaginer que faut aller chercher sur les côtés. Ok. Je peux passer, oui. Tac. Je peux pas passer, ok. Je me souviens bien, il faut voilà. Ok. On repart par là. Et là,
calme, laisse passer, ok. Bon, faut repasser de l'autre côté. Ok. Bon, du coup, on va aller voir ce qui se passe là. Du tout comment je suis censé l'avoir ce truc. Je descends juste pour voir. Ah oui, ok. Je crois que c'est une histoire de timing. Et que ça va être bien, bien relou. Visiblement, je me suis amélioré en timing, on va se le dire, parce que ça, j'avais bien bien galéré la première fois. Je vérifie juste que. Ouais, si par contre. Il va falloir que je monte au-dessus. Mais yes. Je me disais bien que c'était pas aussi simple. Ah, bien arrivé. Voilà. Ok. Là. Alors que je me souvienne, c'est absolument pas assez fort.
Et du coup, je crois bien que il faut que je monte. Faut que je monte et que je vise. Faudrait que je monte encore plus haut que ça. Je sais pas si je peux. Je vais aller voir. Ah si. C'était en leur. Ils l'ont fait exprès. Ok, donc là, faut pas se louper, parce que sinon il faut que je me retape tout. Voilà. Impec. Et ça tourne. Ça tourne et il fait tout blanc. Et on en revient à une main. Et on a changé de décor, on est sur la couleur bleue cette fois-ci. Et sur un décor plus végétal. On va continuer un peu. Le temps de. Là, on a des petits papillons, décor plus végétal, des fleurs, des arbres en forme de cube. Voilà. Un grand arbre en forme de cube. Là, on voit qu'on a. Ça, c'est les constellations débloquées en fait. Qui débloquent les chapitres du jeu. Peux pas passer par là. Ok. Petite tortue. Visiblement, c'est pas en bas que je dois aller. Hop. Ah, fallait que je me foute sous l'arbre. Ok. On voit que
petit à petit, on débloque un chemin à travers le ciel. Ciel qui est toujours de la couleur rouge, mais avec le décor qui est bleuté devant maintenant. Alors, je remonte, hein, du coup. J'ai l'impression que c'est par là, visiblement. Petit décor de l'arbre. Ouais, ça a l'air d'être par là. On va avancer un peu pour voir ce qui se passe, quand même. Ah. Elle a cassé le pont, là. Ben, j'ai l'impression qu'on va devoir se laisser tomber. Donc faisons ça. Voilà. Bon. Et du coup, je dirais qu'on va sûrement se laisser là-dessus. J'ai envie d'avancer un peu quand même. Donc là, ouais, on est tombé dans une forêt aux arbres cubiques, avec des espèces de petites créatures végétales, toutes mignonnes. Et la musique a changé. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Elle me surveille et quand je passe, elle se cache. Petite libellule. Fallait que je saute. Je suis tellement pris par le décor que j'en oublie de sauter, quoi. Hop. Si je saute trop vite, par contre, ça va pas le faire. Ah oui, j'avais oublié ce système-là. Maintenant, on a des arbres qui s'invisibilisent et se revisibilisent. Alors lui, c'est beaucoup trop mignon. Ça va être son petit pote pendant un moment après ça. Il va nous aider un peu dans le jeu. Ouais, du coup, en fait, j'ai envie de m'arrêter là. On est bien là. Il y a une bonne musique, il y a un beau décor, des belles couleurs. C'est parfait pour se laisser là-dessus, je dirais. Et passez une bonne soirée. Des bisous!